Le parfum de la dame en noir de Gaston Leroux. Adaptation Philippe de Rey. Avec Philippe Nico dans le rôle de Rouletabille. Réalisation Jean-Jacques Vierge. Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. Deux ans. Déjà deux ans. Maître Sinclair, vous vous souvenez? C'est grâce au talent de votre ami Rouletabille que nous avons pu faire toute la lumière sur le mystère de la chambre jaune. Oui, au château du Glandier. Pauvre Mathilde Stangerson. Qui aurait pu se douter à cette époque qu'elle avait été mariée 20 ans plus tôt en Amérique? Pour une surprise. Et c'est pourquoi elle s'est trouvée aux prises avec un agresseur d'une violence inimaginable. Tentative d'assassinat, puis une deuxième soldée par 3 coups de couteau. Il y avait vraiment de quoi ébranler sa raison. Enfin, Rouletabille a pu prouver aux assises de Versailles que le célèbre policier Frédéric Larsan, chargé de l'enquête, n'était autre que le bandit Ballmeyer. Bandit que Mathilde connaissait sous le nom de Jean Roussel, et dont elle avait été la femme. Ouais. Le criminel, c'était lui. Vous vous souvenez? Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. Enfin, c'est aujourd'hui le mariage et voici l'église. Oh, bonjour, messieurs. Oh, maître Sinclair, cher ami. Andreas et moi, nous commencions justement à nous inquiéter, enfin, disons, à nous étonner de votre absence. Mais que me dites-vous là? Je ne suis pas en retard. Consultez votre montre. Le mariage est prévu à 10 heures. Il est moins 10. Oh, vous avez tout à fait raison. Mais inconsciemment, je crois que nous avons hâte de savoir Mathilde et Robert mariés. Ils n'auront pas volé d'être heureux, tous les deux. Et Rouletabille? Ah ben, je pensais qu'il était là. Enfin, on est arrivé. Et puis l'affaire du Glandier lui tient trop à cœur pour qu'il ne vienne ici en savourer les ultimes effets. De manchette, mon cher, de manchette. Cela dit, votre ami a été merveilleux à Versailles, tout à fait étonnant. Oh. Andreas me disait juste avant que vous n'arriviez que de toute sa carrière, il n'avait jamais vu une salle de tribunal à ce point suspendue aux déclarations et aux facéties de votre ami. C'était prodigieux. Regardez, maître Sinclair boit du petit lait. Ah oui, ah bon, c'est vrai, d'accord, je bois du petit lait et Joseph possède un art subtil pour me rouler dans la farine. Je ne sais rien lui refuser. Mon amitié, ma tendresse, pour lui m'influence, c'est vrai. Et ça me fait plaisir de constater une réaction identique chez deux célèbres avocats. Ou au moins facile à épater que vous, hein. Bon, soyons sérieux. Comment va Mathilde Stangerson? Ah, mieux, mieux, beaucoup mieux. Je dirais même bien. Et elle va aller de mieux en mieux maintenant que la Dordogne a fait naufrage entre Le Havre et New York. Et vous, maître Henri Robert? Ah, j'avoue également que Robert Darzac était acquitté, c'est vrai. L'opinion publique largement avertie, c'est vrai aussi. Mais je n'ai été tout à fait soulagé que lorsque j'ai vu, de mes yeux vus, le nom de Frédéric Larsan parmi ceux des corps retrouvés après le naufrage. Et encore, si les documents retrouvés sur le cadavre n'avaient pas confirmé son identité, je serais moins tranquille aujourd'hui que je ne le suis, croyez-le bien. Parce que vous êtes tout à fait tranquille.
Qu'est-ce que vous voulez dire? Rien. Non, enfin, je voudrais que tout soit terminé. Et qu'une fois pour toutes, Mathilde Stangerson devienne, au vu et au su de tout le monde, Madame Robert Darzac. Oh, ne soyez pas rongé par l'impatience, il ne s'en faut que quelques minutes, mon cher. Songez que cette horrible affaire et ce procès fameux se sont terminés il y a 2 ans. Mais 2 ans qui n'ont pas été de trop pour que la chère Mathilde retrouve et sa santé et ses esprits. On serait traumatisé à moins. Mais vous savez que les médecins qui la soignaient, et même le professeur Malofsky, le neuropsychiatre, on craint un instant pour sa raison. Oh, si j'avais su qu'un psychiatre s'occupait de Mathilde, j'aurais été encore plus inquiet. Ah, et tout est bien qui finit bien. Oui, sauf que Rouletabille n'est pas encore arrivé. Et ça, alors ça, c'est curieux, monsieur. Écoutez, je vous propose d'entrer dans l'église. Les mariés vont arriver d'une minute à l'autre. Nous pouvons rester indéfiniment sur le parvis. André, vous avez raison. Je ne suis que modérément croyant, mais c'est volontiers, très respectueusement, que je pénètre dans la maison de Dieu pour y assister au mariage de 2 êtres qui nous sont chers. Entrons, Rouletabille nous rejoindra. Oui. Vous avez entendu, Sinclair? Maître S travaille dans l'horreur. Ça m'étonne de vous, mon cher André. Ne plaisantez pas, mon ami. Je crois comprendre ce qu'a voulu exprimer André S. C'est pas du tout, il plaisante, Sinclair. Je ne suis pas si sûr. Voyons, dites-lui, André. En effet, je plaisantais. Voici notre Joseph. Cher Rouletabille, je parie qu'il est bien plus rassuré que nous. Oui. Pour quelqu'un de rassuré, je le trouve très pâle. Bonjour, Sinclair. Bonjour, messieurs. Bonjour, Joseph. Bonjour, Rouletabille. Je ne suis pas en retard. Ah, pas du tout, mon petit Joseph, pas du tout. Bon, nous attendons la marche de Mendelssohn. Ce qui voudra dire que Mathilde, au bras de son père et Darzac, au bras de je sais pas qui d'ailleurs, feront leur entrée pour se rendre à l'hôtel. Bien, tout à l'heure, je vais me recueillir. Où va-t-il? Ça, je sais pas. Mais je le trouve bizarre. Vous avez dit bizarre? Oui. En effet. Vous le trouvez naturel, vous? Madame, je... Moi, de mettre tous les événements de cette journée sur le compte de l'émotion, Maître Sinclair a raison. Rouletabille est bizarre. Ah, heureux de vous l'entendre dire. Non, mais regardez-le. Joseph à genoux sur un prie-dieu, la tête dans les mains. Et il prie, tout simplement. Ah non. Ah non, messieurs, ça c'est tout à fait impossible. Et pourquoi? Ah ben parce que Rouletabille ne saurait reconnaître un ave d'un pater, et alors on l'attend, alors ça... Non, Joseph, pas pieux. Merci, André. Si quelqu'un devait se trouver près de lui, ce serait à moi de le faire.
Non, je crois qu'il faut au contraire le laisser seul. Tenez, Mathilde vient de se retourner. Elle cherche quelqu'un. Ah, puis maintenant, elle a aperçu Joseph, elle lui sourit. Oh, elle est vraiment très belle, épanouie, sereine. Elle a toujours ses yeux de folle, hein. Mais c'est monstrueux, qu'est-ce qu'elle dit ça? Il y a des gens qui ont vraiment le chic pour débiter des horreurs. Oh, retournez-vous discrètement. Mes amis, cet homme derrière nous, c'est lui qui vient de parler. Vous le connaissez? Oh, vaguement. C'est un pauvre type, un cousin éloigné de Darzac, apparemment son seul parent. Et sait-on ce que fait dans la vie ce charmant cousin? Robert m'a confié que Brignol, mais il s'appelle Brignol, était préparateur de physique dans un laboratoire d'Aix-en-Provence. Et puis il y a un an environ, le cousin a été viré du laboratoire. Pour quel motif ça? Je sais pas. Enfin, toujours est-il qu'il a débarqué brusquement à Paris et qu'il est allé trouver Darzac. Et Darzac? Oh, bah vous le connaissez. Moitié Saint-Bernard, moitié Boy Scout, naturellement il a dépanné. Et naturellement, le dénommé Brignol travaille maintenant au laboratoire des Stangerson. Ben vous savez tout. Mais il faut... Je vous en prie, monsieur. Oui. C'est la bénédiction. Ah. Que le Dieu d'Israël vous unisse. Robert, ton épouse sera dans ta maison comme une vigne fertile. Tes enfants seront autour de la table comme des plants d'olivier. Alléluia, alléluia. Mathilde, l'homme que tu épouses s'attachera à sa femme et vous deviendrez une seule et même chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Recevez, s'il vous plaît, Seigneur, le sacrifice offert pour bénir les liens sacrés du mariage. Soyez-en aussi le maître et le gardien, puisque vous en êtes aussi l'auteur. Per omnia secula seculorum. Amen. Pater noster, qui est in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, et ne nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a mal. Amen. Bien sûr. Bien sûr. Je respire. Je me sens mieux. Je respire. Mais parce que vous avez retenu votre souffle pendant toute la cérémonie, en voilà une idée. Et peut-on vous demander pourquoi? Oui, oh, je sais que cela va vous faire sourire, mais jusqu'au dernier moment, j'ai redouté l'arrivée de Larsan. Je te jure, voilà une idée. Sinclair. Mon cher Sinclair, je suis désolé, navré, mais mon principal collaborateur est un halluciné. Mmh. Ça va devenir très difficile de plaider aux assises avec lui. Ah, que voulez-vous, je n'arrive pas à me faire à l'idée que Frédéric Larsan consente à être mort. Non, laissons-le divaguer. De toute façon, il n'est absolument pas méchant. Sinclair, soyez gentil, parlez-moi plutôt de ce... comment l'appelez-vous déjà? Moyen. Oui, c'est ça, Brignol. Alors, pardonnez-moi, mais j'ai l'impression que ce personnage vous inquiète. Ah, c'était ça. Brignol m'inquiète. En quel honneur. Mais quand il est arrivé à Paris, Robert n'était pas en très bonne santé. Physiquement et moralement, il en avait pris un coup. Mais il faut dire que
Mathilde et lui n'ont pas été gâtés. Donc, il a pris Brignol avec lui au laboratoire pour le seconder. Et comme à la maison de santé, Mathilde se rétablissait lentement, mais sûrement, on recommençait à parler mariage. Donc, a priori, la santé de Robert aurait dû également s'améliorer. Et alors ? Ben alors, rien. Tout au contraire. Depuis l'arrivée de Brignol, Darzac traînait, s'affaiblissait. Tenez, il y a même eu deux petits accidents au laboratoire. Des accidents sans réelle gravité, mais inexplicables. Et qui auraient pu être graves. Et c'était Brignol le responsable ? Oh, Brignol, je sais pas. Je suis pas sûr. Mon cher maître, j'étais peut-être obnubilé par les événements du Glandier. En tout cas, c'est comme ça. La présence de Brignol auprès de Robert me cause un malaise indéfinissable. Et permanent. Vous en avez parlé à Darzac ? Je pense bien. Et alors ? Mais c'est foutu de moi. Récemment, il n'allait pas mieux. Et puis il s'est mis à tousser. Bon, c'est quand même pas le dénommé Brignol qui faisait tousser notre ami. Ah si. Enfin, non, je sais pas. Non, je ne peux pas vous expliquer pourquoi il y a quelque chose qui fait que cet homme est lié à l'état de santé de Robert. Mais c'est incroyable. Vous voulez une preuve ? Sur ordre de son médecin, Darzac a enfin consenti à prendre 2 semaines de repos. Et il allait à San Remo, loin de Brignol. Il nous a écrit à quel point il se sentait bien, qu'il était heureux, que le soleil était merveilleux. Bref, quand il est rentré, il était complètement rétabli. Pardonnez-moi, messieurs, je sais que quand un avocat rencontre un avocat, ils ont mille choses à se dire, mais l'église est vide. Et vous vous souvenez sans doute que nous sommes attendus. Nous arriverons, mon cher André, nous arriverons. Dites-moi, mais savez-vous ce qu'est devenu notre ami Rouletabille ? Je ne l'ai pas aperçu à la sacristie. Alors, remarquez, il fait assez sombre. Mais que cela ne nous empêche pas de nous y rendre. Ah bah oui. Eh bah Rouletabille, voilà. Remarquez, il est sûrement pas loin. Eh bien, même pour son mariage, il n'y a pas l'air à la noce, mon cher patron. Oh, encore cet Olivarius, c'est pas Dieu. Saint-Clair. Enfin, vous êtes là. Je ne cesse de vous réclamer. Où étiez-vous passé ? Et Rouletabille. Mathilde, pardonnez-moi. Et souffrez qu'avant tout, je vous embrasse. Avec mon amitié et mon affection. Du fond du cœur, je vous souhaite tout le bonheur que vous méritez. Oh, merci, Saint-Clair. Merci. Votre dévouement à tous les deux. Oh non, pas de larmes aujourd'hui. Et Joseph ? Je bavardais avec maître Henri Robert et maître S. Et c'est pourquoi nous sommes arrivés un peu en retard. Alors, nous avons aperçu Joseph et... Maître Henri Robert ? Oui, mes hommages, chère madame. Oh, c'est tellement gentil à vous d'être venu, de ne pas avoir oublié. Nous vous devons tant, Robert et moi. Le spectacle de votre bonheur est la plus belle des récompenses. J'adore. Merci. Mais dites-moi, vous qui savez tout, où se trouve Rouletabille ? Mais voulez-vous que j'essaie de le trouver ? Robert vient d'y aller, justement, le voilà. Ah, Robert, alors ? Rien, personne. Pas plus dans l'église que sur le parvis. J'ai demandé au traditionnel mendiant sous le porche. Il m'a dit qu'il avait vu sortir de l'église un jeune homme. Pourtant ! Il y a quelques minutes, il est parti en voiture. Oh, c'est sûrement lui, Saint-Clair. Saint-Clair, je vous en prie. Vous savez que nous prenons le train dans 2 heures à la gare de Lyon. Cherchez notre ami, trouvez-le, amenez-le. Dites-lui que sa conduite est inexplicable. Qu'elle m'inquiète beaucoup. Je vous en prie. Bon, j'y vais, Mathilde. Je vais au journal, je cours jusqu'à chez lui, je fais tous les cafés de son quartier et je vous l'amène en chair et en os sur le quai de la gare. Avant de partir, vous verrez Joseph. Tu as très bien fait d'accepter l'invitation de Sir Arthur Hens. Il paraît qu'il a une très jolie propriété à Menton. Vous avez des goûts communs et la femme de Sir Arthur est ravissante. Ça te fera beaucoup de bien. Et ça nous permet de voyager ensemble jusqu'à Dijon. Et pour m'annoncer ces bonnes nouvelles que je connais déjà, tu prends ton lucubre. Que se passe-t-il, ma petite fille ? Et d'abord, où est Robert ? Mais il n'est pas encore arrivé. Oh non, Robert ! Je te demande pardon. Il est dans le wagon, il installe des bagages. Enfin, voilà sa mère. Seule.
Mathilde, professeur, je suis désolé. Non, mais j'ai cherché partout. Personne ne l'a vu, ni au journal, ni chez lui, ni au café. Mais je suis sûr qu'il sera là avant le départ. Non, c'est clair, c'est fini. Il ne viendra plus. Oh. Je le sens. Et alors ? Oh, vous avez tous des mines sinistres. L'émotion du départ. Vous avez vu Joseph ? Mais pas depuis l'église, mais il va pas tarder. Non, non. Non, je ne crois pas, maître. Il ne viendra pas. Mais... Il ne viendra pas. Il ne viendra pas. Pour dire, c'est vrai, hein ? Elle a vraiment ses yeux de folle. C'est curieux que personne ne s'en aperçoive. C'est fini, ces réflexions, oui. Vous mériteriez qu'on vous botte les fesses pour oser proférer de pareilles stupidités. Oh, mais dites, je vous connais pas, moi, hein. Je vous ai rien fait, vous vous mêlez de n'importe quoi, de n'importe quoi. Oh, ça suffit. J'ai tout le même le droit. Rien du tout. Vous n'avez aucun droit sur celui de vous taire, au lieu de débiter des insanités. Je ne sais pas qui vous êtes, je ne veux pas le savoir, mais je ne veux plus vous entendre. Oh, mais si vous le prenez sur ce ton, je vous laisse la place, hein. Vous êtes plus grand que moi, et je suis lâche. Alors vous voyez bien que le combat n'est pas égal. Mais quand même, hein, c'est dommage pour Robert. Il aurait mieux fait d'attendre. Parce qu'il est folle. Il est folle. Plus que 3 minutes. Mathilde, ma chérie, mais il faut monter. Je suis désolé, mais le train part, on ferme les portières. Non, vraiment, je ne comprends pas ce qui a pu retenir Rouletabille. Pourquoi? Je t'en prie, Mathilde, il faut monter. Nous dirons au revoir à nos amis par la glace du couloir. Les voyageurs pour Dijon, Chambéry, Modane, en voiture, on ferme les portières. Les voyageurs pour Dijon, Chambéry, Modane, en voiture, s'il vous plaît, on ferme les portières. Sinclair. Oui, Robert. Quand vous reverrez Joseph, dites combien nous avons été affectés par son absence, Mathilde et moi. Comptez sur moi, Robert. Mais vraiment, je comprends pas. Attention au départ, s'il vous plaît. Attention au départ. Oui, Mathilde. Cette enveloppe. Pour lui, je compte sur vous. C'est promis. Au revoir. Au revoir, au revoir, mes amis. Au revoir, Dieu. Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. Mon cher Sinclair, vous êtes lugubre, hein ? Sinistre. Que voulez-vous, mon cher S ? Ça ne te commande pas. Je suis triste. Parfaitement. Je suis triste. Et l'ennuyeux dans tout ça, c'est que je ne sais fichtre pas pourquoi. Vous avez entendu le dernier mot de Mathilde sur le quai au moment du départ. Au revoir, mes amis, au revoir. Ou adieu, Sinclair. Ah, ça vous a frappé aussi. Bah, mettez-vous à ma place. Oh, ce n'est pas utile. Je ne pensais pas vous en parler, puisque tout le monde me prend pour un halluciné avec mes craintes soi-disant hors de propos, mais puisque... Hors de propos ou pas... Moi, je sens que je suis comme vous, sous l'emprise de quelque chose, ou de quelqu'un, ou encore d'une volonté qui plie la mienne. Et comment expliquez-vous l'absence de votre ami Joseph ? Pour le moins curieuse, non ? Ou alors, parlons de sa disparition. Oh, sa disparition, comme vous y allez. Non, je n'explique pas sa conduite, c'est tout. Enfin, Joseph a été traité par les Stangerson et par Darzac comme un véritable sauveur. Et encore plus. Depuis que Mathilde est sortie de la maison de santé, complètement rétablie, c'est à ce moment-là seulement qu'elle a pu se rendre compte du rôle extraordinaire joué par Joseph dans un drame où elle avait toutes les chances, c'est bien vrai, de sombrer avec tous les êtres qui lui sont chers. Elle l'a entouré, choyé. Elle s'est intéressée à tout ce qui le touchait de près, son journal, sa vie, ses envies.
Mais elle a provoqué ses confidences. Elle a voulu en savoir plus sur Joseph que je n'en savais moi-même. Peut-être plus que n'en savait Rouletabille lui-même. Je connais peu Rouletabille, mais soudé dehors un peu bravache, je le crois sentimental et très pudique. Comment prenait-il toutes ces attentions? C'est vrai que Joseph est un grand sensible. Mais son comportement vis-à-vis de Mathilde m'a toujours étonné. Enfin, lui, si exubérant, prime sautier, toujours d'une pièce dans ses sympathies comme dans ses aversions. Avec elle, timide, réservé. On aurait dit qu'il lui parlait sur la pointe des pieds, avec une sorte de politesse émue, troublée. Pensez bien que j'ai pas manqué de lui en faire la remarque. Un mur, une citadelle. Joseph devenait subitement le roi de l'évasif, le prince du fumeux. À ce point-là ? Absolument. La seule chose, il voulait bien reconnaître, c'est un grand étalage de dévouement vis-à-vis d'une personne qu'il estimait plutôt. Eh bien, pour un timide... Oh, mais c'est pas tout. Il a même ajouté qu'il voulait être prêt à tout sacrifier pour elle. Vous vous rendez compte? Tout sacrifier. Bah, ça va loin. Incroyable. Et c'est le même homme qui se fait attendre le jour du mariage et qui n'est pas présent sur le quai de la gare. Ben oui, c'est le même. Alors trouvez-moi une explication, parce que moi, je n'y comprends plus rien. Parce que je ne vous ai pas tout dit. Monsieur a également des sautes d'humeur, des colères. Je me souviens, un jour, c'était l'été dernier, avant que Robert Darzac ne soit vraiment malade. Vous avez su, mon cher André, que le professeur Stangerson et sa fille ne voulaient plus habiter le château du Glandier. Oui, alors, en effet, je me souviens. Alors, ils avaient loué, pour la belle saison, une ravissante propriété à Chenguerre. Oh, les bords de Marne, les canotiers, Manet. Enfin, bref, nous fûmes très souvent invités, Joseph et moi, à passer la journée chez les Stangerson. Vous auriez vu Rouletabille? Eux? Ouais. La joie. Et puis, sans raison valable, le matin même du départ, il changeait d'avis et il me demandait d'y aller seul et de l'excuser. Et lui? Ben lui, il restait dans sa chambre, boulevard Saint-Michel. Oh, j'ai pas besoin de vous dire à quel point Mathilde était peinée de cette attitude, combien elle regrettait l'absence de Joseph. Un dimanche, elle me demanda d'aller surprendre notre fumeur de pipe dans sa chambre. Nous arrivons, je frappe à la porte, j'entends un énergique « Entrez !» Nous entrons. Dès qu'il nous aperçoit, j'ai le sentiment que Joseph va se trouver mal. Pâle comme un linge, vacillant, Mathilde se précipite vers lui pour le soutenir. Ce qu'elle ne remarque pas, il était assis dans son petit bureau, c'est qu'en moins d'une seconde, il fait disparaître son porte-document avec tous les papiers qui s'y trouvent. C'était des papiers importants? Ah bah alors ça, mon pauvre ami, j'en sais fichement rien, aucune idée. Non, simplement, Mathilde lui demanda si nous le dérangions. Il répondit, mais pas du tout. J'ai fini de travailler, je vous montrerai cela plus tard. C'est un chef-d'œuvre, une pièce en 5 actes dont il faut que je trouve encore le dénouement. Voilà, Rouletabille se prenait pour Racine. Oh, son trouble n'a pas duré. 3 minutes plus tard, il nous remerciait d'être venu perturber sa solitude studieuse. Il insistait pour nous emmener dîner. Du restaurant, il téléphona à Robert Darzac qui vint nous retrouver. Et nous pensâmes comme si de rien n'était. Une soirée détendue, gaie, parfaite. Au moment de se quitter, il s'excusa auprès de Mathilde d'avoir un foutu caractère. Ils se sont embrassés tous les trois et Joseph resta bouleversé, le souffle coupé. Quel drôle de garçon. Et déroutant, mon cher. Déconcertant, imprévisible. Mais quelle personnalité! Mais pourquoi a-t-il quitté l'église avant la fin de la cérémonie? Si je le retrouve, je lui demanderai. Bon, André, mon cher, nos routes se séparent et il faut que je vous quitte. Mais j'ai été ravi de faire ces quelques pas avec vous. Voulez-vous que nous prenions un taxi? Oh non, c'est une idée, je vais faire un saut jusqu'à son hôtel. S'il n'est pas rentré, j'aurai peut-être de ses nouvelles. En tout cas, je lui laisserai un message. Naturellement. Sincèrement... Je ne crois pas à une fille, ce n'est pas son genre. À bientôt, Sinclair. Au revoir, André. Enfin, Clara, qu'est-ce que vous faites là? Ah, bonjour, monsieur. Oui, non, mais dites-moi, Clara, qu'est-ce que vous faites dans cet hôtel avec ma valise dans la main? Ah, ça, monsieur, il faut le demander à monsieur Rouletabille. Je ne peux rien dire de plus à monsieur. Mais qu'est-ce que Joseph vient faire là-dedans? Et que monsieur m'excuse, mais monsieur Rouletabille est venu chez monsieur. Joseph est venu à la maison? Parfaitement, monsieur. Là, il m'a demandé de le conduire dans la chambre de monsieur.
ce que j'ai fait. De lui apporter une valise, ce que j'ai fait. Puis il m'a demandé de la remplir, ce que j'ai fait. Monsieur comprendra qu'il m'était difficile de m'opposer à un ami de monsieur. Si monsieur avait été à ma place... Oui, d'accord, Clara, d'accord, c'est ce que j'aurais fait. Alors, ensuite ? Ensuite, monsieur Rouletabille m'a dit de porter la valise à son hôtel. Ce que vous avez fait ? Ben oui, monsieur. Clara, où est Rouletabille ? Alors là, monsieur m'en demande trop. Oh. Ben, à tout hasard, je monterai jusqu'à sa chambre. Bon, laissez ma valise à la réception et rentrez à la maison. Ne m'attendez pas. Merci, Clara. Bien, monsieur, c'est ce que je vais faire. Dieu de Dieu, de Dieu de Dieu. Cette fille est un amour, mais quel tour ! Entrez ! Oh, il est là. Hein ? Oh, c'est pas possible. Joseph, qu'est-ce que c'est encore que cette histoire ? Fermez donc la porte, Sinclair. Ouais. Voilà, bonjour mon ami. Alors, quelle histoire ? Ben d'abord, pas bonjour. Nous nous sommes vus ce matin à l'église. Et pour ce qui est de votre surprise, elle est au moins égale à la mienne. Que fait ma valise au bout de la main de Clara dans le hall de votre hôtel ? Et d'abord, qu'est-ce que vous faites là ? Vous savez, cette manie que vous avez de poser 36 questions à la fois, c'est extrêmement gênant. Je vais donc répondre à la dernière interrogation. Que fais-je ? Réponse, ma valise. Il fait ça. Mais vous allez où ? Où allons-nous ? Distingo. Eh ben, nous partons. Voulez-vous me passer mon pyjama derrière vous, là ? Oui. Merci. J'en ai pris un également pour vous, parce que vous avez toujours cette habitude désuète de coucher en chemise de nuit. Oh ! Enfin, Joseph, on patauge dans l'absurde. Est-ce que vous allez enfin m'expliquer ? Mais vous rendez-vous compte à quel point vous êtes nerveux, mon bon Sinclair ? Ah, comme j'ai eu raison. L'air de la mer va vous faire un bien excellent. L'air de la mer ? Oui, ça ne peut-être pas calmer quand nous y serons, mais nous allons prendre nos vacances de Pâques. Naturellement, vous êtes libre. Libre ? Moi ? Oui, vous. Mon journal m'a accordé un congé de quelques jours, nous en profiterons. Votre valise est en bas ? Mais naturellement, à la réception. Parfait, asseyez-vous sur la mienne que je puisse la fermer. Ah, bonjour. Voilà, attention, merci. Je disais donc que nous ne pouvions mieux faire que d'aller respirer un peu le varech et le goémon. Vous dites quelque chose, mon bon Sinclair ? Ah non, oh non, ça alors là, je ne dis plus rien. Alors venez, une voiture nous attend en bas pour filer à la gare. Passez, merci. Je vous en prie, après vous. Une minute d'arrêt. Règle, une minute d'arrêt. Les voyageurs pour Amiens, le Tréport, en voiture, s'il vous plaît. Oh. Début avril au Tréport. Et alors ? Quel déjà des dents. Non, il faut être complètement fou, ça. Sinclair. Oui ? Donnez-moi donc la lettre qu'on vous a chargée de me remettre. Ah, Joseph. Alors, vous ne la méritez pas. Oh, comment ça ? Vous saviez très bien que votre absence fait de la peine à Mathilde et à Robert. Beaucoup de peine. Oui, mais enfin... Et vous n'êtes pas venu quand même. Sinclair... Naturellement, vous saviez qu'elle ne pourrait pas partir sans vous avoir parlé. Vous écrit. Parce que vous le saviez, n'est-ce pas ? Amiens, le Tréport, en voiture ! Mais répondez-moi, nom d'un petit bonhomme. C'est bien la première fois que vous ressemblez à une carpe. Donnez-moi cette lettre, Sinclair. Décidément, rien ne vous atteint, hein. Vous avez autant de sentiments qu'une enclume. Allez, tenez. Ah, voilà votre lettre. Merci, Sinclair. Merci beaucoup. Ce parfum. Mon Dieu, ce parfum. Mais alors, vous la lisez pas ? Non, pas ici. Là-bas.
Le Tréport. Terminus. Tout le monde descend. Le Tréport. Terminus. Tout le monde descend. Ah, c'est pas trop tôt, tiens. Oh, pas de 5 heures dans un train glacé, ça. Alors, vive les vacances de Pâques, hein. Allez, venez, mon bon Saint-Clair, nous sommes arrivés. Vos billets, s'il vous plaît. Eh bien, donnez les billets, Saint-Clair. Oh, ben ça, j'ai remis mes gants, moi. J'arrive pas à les sortir de la poche, quoi. Ah, voilà, bonsoir. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Rouletabille. Oui. J'ose à peine vous demander si. Si vous savez où nous allons. Oui, je le sais. Et il le sait, c'est merveilleux. Enfin, on crève de froid, on est en pleine nuit, c'est pleinement rassurant. Patience, mon bon Saint-Clair, nous y sommes. Ah. Quelqu'un ? Voilà, voilà. On vient. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, monsieur. Je suis Joseph Rouletabille. J'ai retenu deux chambres chez vous. En effet, monsieur Rouletabille. J'ai fait bassiner les lits et allumer les cheminées. Magnifique. Car pour rien vous cacher, nous avons très faim et nous mourrons de froid. Hein ? Donnez-moi vos valises et suivez-moi. Voilà. Venez, asseyez-vous devant le feu. Oh, que c'est bon. J'ai une bonne soupe aux moules et des sardines grillées. Oh, c'est formidable. Ça fait du bien. Oh. Et voilà. Et naturellement, pour plutôt mis les pieds sur cette banquise, vous attrapez la mort. Oh, n'exagérons rien. Enfin, mon petit Joseph, franchement, la main sur le cœur. Me direz-vous ce que nous sommes venus chercher dans ce foutu pays en dehors des rhumatismes qui vont nous tomber dessus? Et une pleurésie qui nous guette et nous menace direct. Eh bien oui, bien sûr, je vais vous le dire, Saint-Clair. Nous sommes venus chercher le parfum de la dame en noir. Saint-Clair, réveillez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Mais d'abord, il fait une tempête pas possible, et ensuite, il faut vous lever. Vous pensez tout de même pas que je vais me lever si le temps est pourri? Allez. Mais vous en faites une tête. Qu'est-ce qu'il y a? Habillez-vous. Un télégramme de Robert. Il me l'a réexpédié de Paris. Un télégramme? C'est grave? Eh oui. Voilà, il a été envoyé de Bourg-en-Bresse. Et que dit-il? Voilà. Prière, venir immédiatement. Stop. Chaque minute compte. Stop. Avons renoncé à notre voyage en Orient, stop. Allons rejoindre professeur Stangerson chez Sir Arthur. Villa les Roches-Rouges, Menton, stop. Télégramme ultra secret. Inutile d'effrayer personne, stop. Vous entendez, Saint-Clair? Il faut effrayer personne. Ouais, ouais, continuez. Je continue. Prenez prétexte d'un congé, inventez n'importe quoi, mais venez d'urgence, stop. Télégraphiez poste restante, Menton. Faites vite, suis désespéré, stop, Robert. Ça me paraît clair. Eh oui. Larsan, non? Exact. Pas dans le fond. Je vais peut-être vous surprendre, Joseph, mais ça ne m'étonne pas tellement. Vous n'avez pas cru à sa mort? Non, pas vraiment. Mmh. Oh, il avait tellement besoin de passer pour mort qu'il a pu faire le sacrifice de quelques papiers. D'autant qu'il est coutumier du fait. Il a profité du naufrage de la Dordogne. Pour échanger ses papiers avec un noyé, c'est bien votre avis. Je ne sais pas. Joseph. Vous êtes livide, mon vieux. Allons, faut pas flancher. Ah, vous voyez, moi, je l'ai cru mort lorsque la cérémonie du mariage a été terminée. Honnêtement, je l'ai cru mort à ce moment-là.
Mais oui, comprenez-moi, Sinclair. Jamais Larsan vivant n'aurait laissé accomplir cet acte qui donnait enfin Mathilde à Robert. Mais comment l'empêcher? Simplement en paraissant. Bon, eh ben on l'aurait arrêté pour le crime du Glandier. Sans doute, mais Mathilde Stangerson savait son premier mari vivant, libre ou sous les verrous. Donc elle n'aurait jamais consenti à épouser un autre homme. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé pendant 20 ans. Hein. Ça vous croyez? Ah mais... Et même si on avait invoqué la nullité du premier mariage au regard des lois françaises, n'oubliez pas qu'un prêtre, un pasteur, enfin un ecclésiastique avait fait d'elle la femme d'un misérable, et pour toujours. Donc seule la mort de Larsan pouvait libérer Mathilde. Hélas, aux yeux de ce monstre, le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. Mais remettez-vous, Joseph, c'est pas en vous mettant dans ces états qu'on fera progresser les choses. Et voilà que contre toute attente, Larsan reparaît, après le mariage, quelques heures après... Mais vous êtes bien d'accord avec moi, Sinclair. La dépêche de Darzac ne veut absolument rien dire si elle ne signifie pas l'autre est revenu. Vous êtes bien d'accord? C'est évident seulement. Seulement quoi? Et Darzac a pu se tromper. Non, Robert n'est pas un enfant de cœur, il a du courage, il l'a montré. Bon, on ne sait jamais. Ah, on ne sait jamais. Enfin, d'accord, Sinclair, d'accord. Il faut espérer que Darzac s'est trompé autrement. Ah, ce serait affreux. Trop affreux. Mais doucement, Joseph, doucement, je vous en prie. Mais dites-le-moi, vous, que ce n'est pas possible. Mais peut-être y a-t-il des présomptions. Et n'oubliez pas qu'il s'agit d'une simple dépêche qui ne prouve rien. Mais comment qu'il ne prouve rien? En tout cas, qu'elle peut être le résultat d'une stupide hallucination. Ce sont des choses qui arrivent à des gens très équilibrés. Or, Mathilde était en maison de santé, c'est ce que vous voulez dire, hein? Mais pas du tout. C'est Robert qui a envoyé la dépêche. Seulement, reconnaissez que depuis l'affaire du Glandier, nos nerfs ont été mis à rude épreuve depuis 2 ans. Oh. Et permettez-moi d'ouvrir une parenthèse, mon cher Joseph. Ce n'est pas au moment où nous allons avoir besoin de tout notre sang-froid qu'il faut se mettre à craquer. Moi encore, je ne dis pas, mais un homme de votre envergure, ce serait inexcusable. Inexcusable, vraiment, Sinclair, ça serait inexcusable. Et alors, que se passe-t-il? Hein? Vous en faites une tête, là, vous me faites peur, Joseph. Ah, je vais vous le dire, mais... C'est horrible. Pourquoi n'est-il pas mort? Mais en dehors de ce morceau de papier, rien ne dit qu'il n'est pas mort, et la poste n'est plus ce qu'elle était. Non, ne plaisantez pas, mon ami. S'il était vivant, c'est moi qui aimerais mieux être mort. Oui, alors ça, Joseph, hein, c'est du mélo, du très mauvais mélo. Ça, il faut que vous soyez vivant, vous entendez? Bien vivant, pour pouvoir la défendre, elle. Pour elle? Oui, c'est vrai. C'est vrai, vous avez raison, Sinclair. Vous avez prononcé le seul mot qui pouvait me convaincre. Elle. Ah, vous voyez, je pensais à moi, alors que la seule chose qui compte, c'est que Mathilde soit vivante. Qu'elle vive! Moi, ça ne fait rien, ça n'a aucune importance, c'est... Mais j'aimerais que vous reveniez quand même un peu parmi nous, Joseph. C'est la première fois que... Je vous vois dans un pareil état. Vous savez que je suis votre ami, votre meilleur ami. Vous pouvez tout me dire. Oui. Oui. Parlez. Parlez, toujours parlez, oui. Si vous voulez, Sinclair. Vous allez tout savoir. En tout cas, autant que moi. Et vous verrez à quel point tout ça est effrayant. Bon, maintenant, dépêchez-vous. Finissez votre valise, nous attend dans le hall de l'hôtel. Hein? Hein? Faut absolument, oui, parfaitement, il faut absolument que je trouve un indicateur des chemins de fer. À tout à l'heure! Quand même, Sinclair, vous voilà. Oh, bah c'est vite, j'ai même pas vérifié si j'avais mes bretelles. Bon, laissez tomber vos bretelles, nous partons dans 1 heure. Il n'y a pas de train direct entre Paris et la ville 2 en hiver. Nous n'arriverons donc à Paris qu'à 7 heures ce soir. Oh, le rêve, quoi. Ne rouspétez pas. Oh. Il nous restera 2 heures pour faire de vraies valises et sauter dans le rapide Paris-Lyon-Marseille-Menton, départ 21h, voie 19. Bah la moindre des choses. Vous venez, n'est-ce pas? Mon petit Joseph, vous pensiez tout de même pas que j'allais vous laisser partir tout seul. Sinclair, je le savais. Par contre. Qu'allons-nous faire en ce charmant et désertique chef-lieu de la Seine-Maritime? Juste un saut en voiture et nous prendrons le train là-bas, il y en a pour une demi-heure. Et je suppose que nous partons tout de suite. Non. Pardon. Non, je voudrais tout d'abord aller faire un tour sur la jetée avec vous. Ah bon? Ouais. On va aller se promener sur la jetée en pleine tempête. Vous n'aurez pas froid. Et c'est quoi? Pensez-vous. Alors allons-y, parce que je vais vous expliquer, Sinclair. C'est là que je l'ai vu pour la dernière fois. Thank you.
voyez ce banc, Sinclair? C'est là que nous nous sommes assis. Oui. Elle m'a serré sur son cœur. J'étais tout enfant, j'avais 9 ans. Et elle m'a dit de rester là. Et ses bras m'ont presque fait mal. Puis elle s'est levée doucement. Et elle est partie sans se retourner. Je ne l'ai plus jamais revue. Voilà une histoire. C'était un soir d'été très doux. Pas comme aujourd'hui, il faut bien le dire. C'était le soir de la distribution des prix. Et elle n'avait pas assisté à la distribution. Je savais d'ailleurs qu'elle ne viendrait pas. Mais je savais aussi que nous nous retrouverions sur ce banc. Un soir plein d'étoiles. Si clair que j'étais enfin persuadé que j'allais voir son visage. Et hélas, elle portait comme d'habitude sa voilette noire. Et ça s'est terminé? Comme je vous l'ai dit. Elle est partie et je ne l'ai jamais revue. Mon pauvre Joseph. Et vous alors? Moi? Bah oui, vous n'êtes pas resté toute la nuit sur le banc. Si j'avais pu, c'est ce que j'aurais fait, mais le chauffeur est venu me chercher. Nous sommes rentrés au collège. Il y a un collège, votre pas? Ah oui, à eux. À eux? Ah oui, à eux, le collège 2. Ah oui. C'est là où je suis rentré. Bon, allons-nous-en maintenant. On va finir par attraper la mort. Mais dis donc, on sera pas resté longtemps dans ce pays, hein? Assez, j'espère, pour ce que je suis venu y chercher. Enfin, ça, je vous le souhaite, hein. Le parfum de la dame en noir, ça va finir par vous rendre fou. Le presbytère n'a rien perdu de son charme, ni le jardin de son éclat. Dites-moi, mon petit Joseph, c'est ça la route du collège 2? Ben, comment voulez-vous que je vous dise? On voit pratiquement rien. Et puis depuis le temps. Ah si, attendez, là je reconnais. Ah oui, c'est un peu plus loin, chauffeur. Oui, monsieur. Vous serez gentil de nous arrêter au bas de la rue, là-bas, hein? C'est bien la rue des Marronniers, ça, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Ah, bien sûr. Exactement. On voit que monsieur est du pays. Oui. Pour vous dire, moi qui fais le taxi, il y a des choses qui me chiffonnent. Par exemple, dans cette rue des Marronniers, j'ai jamais seulement vu le début d'un commencement d'arbre. Alors, des Marronniers... Ah, oui, d'accord. Eh oui, d'accord. Tiens, ben voilà, le café du commerce. Oh, et le salon de coiffure. Et juste à côté, la librairie. La librairie, oui. Où la dame en noir a payé mes premiers livres. Et mais dans le fond, peu de choses ont changé. Voilà, messieurs, vous êtes arrivés. Sinclair, vous avez de la monnaie? Comme d'habitude, mon petit Joseph. Tenez, voilà mon ami. Merci beaucoup, messieurs. Si vous souhaitez que je vous attende, si vous allez faire une petite promenade... Non, ça, bon. Alors là, vu le temps qu'il fait, merci beaucoup, mais non. Hein. Non, c'est inutile, merci, chauffeur. Comme vous voulez. Et bon séjour. Du collège. On peut pas dire que votre collège soit d'une gaieté folle, mon bon ami. Style Louis XIII, le bon roi n'était pas un modèle de rigolade et de joie de vivre. Ah, mais m'avouez vrai. Oh, le chien. Hmm? Je le reconnais. Oh. C'est Top. Mais oui. Oh, qu'est-ce qu'il doit être vieux. Top. Top. Eh bien, tu vas pas me dire bonjour, mon pépère. Hein? Vieux et sourd, Joseph. Ne lui en veuillez pas. Allons-y, venez, c'est par ici. Passez. Là. Tout va bien, nous sommes entrés dans le collège et le concierge ne nous a pas vus. Ah bon? Ah, parce
parce que lui, il m'aurait sûrement reconnu. C'est tout de même pas un crime. Mettez-le contre le mur, là, le voilà. Oh, mon Dieu, c'est lui, le père Simon. Qu'est-ce qu'il a vieilli? Ben, autant que le chien, autant que vous et moi. C'est l'heure où il va balayer l'étude des petits. On va être tranquille pour un bon moment. Mais, Joseph, tranquille, pourquoi faire? Ben, réfléchissez, Sinclair. Simon balaye l'étude et sa femme ne peut pas nous voir de sa loge. D'ailleurs, Madame Simon est-elle toujours vivante? J'en sais rien. Dites-toi, c'est plus un collège, c'est un cimetière. Faites pas de bruit, suivez-moi. Je ne reconnais plus rien. Tout a été transformé. À ce point-là? Oh là là. Là, nous nous trouvons à l'emplacement où se trouvait la vieille étude. Mon Dieu, mais tout a été détruit. C'était là que j'avais retrouvé le couteau. Ah oui? Mais quel couteau? Sinclair, vous voyez le préau? Ah oui. C'est là qu'il avait caché l'argent. Oh, mais pourquoi avoir tout démonté, reconstruit ce préau 10 mètres plus loin que l'ancien? Aïe. Enfin. Allez, venez, Sinclair. Non, une seconde, s'il vous plaît, une seconde. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de préau, de couteau, d'argent? Vous parlez de quoi, Joseph, là? Soyez plus clair, quand même. Tenez, poussez cette porte qui est devant vous, c'est celle de la petite classe. Elle donne exactement sous la chartelle. Eh ben, je savais que vous aviez de la mémoire, mais alors là... J'ai peu de mérite. C'est par cette porte que je sortais avec votre père Simon quand elle m'attendait au parloir. Aïe, j'avais le cœur qui battait au moins aussi fort que maintenant. Mais elle, c'était... Ben oui, Sinclair, c'était la dame en noir. Oh, mon Dieu. Et vous voyez cette porte là-bas? Elle m'attendait derrière. Ah, j'ai une envie folle d'entrer et pourtant j'ai une peur atroce. Ben, José, vous tremblez, vous êtes glacé, vous êtes en sueur, vous allez attraper la mort. Non, mais je crois bien que je deviens fou, c'est plus fort que moi. C'est stupide. Mais rien qu'à l'idée que je vais revoir ce parloir où la dame en noir attendait ma venue. Vous comprenez, dans ma tête d'enfant, je ne vivais que dans cette idée, dans l'espoir de la voir. Oh, si j'avais pu, j'aurais explosé de joie. Eh oui, hélas. Quand nous nous quittions, je tombais dans le désespoir. Je me rendais malade. Alors, il me disait que si j'étais malade, elle ne pourrait plus venir me voir et qu'on ne la laisserait pas entrer. Là, mon petit Joseph, c'est pas bien gai tout ça. Oh, alors je faisais des efforts terribles. Et jusqu'à la visite suivante, je cherchais à retrouver son parfum, je cherchais à reconstituer son visage, toujours très flou sous l'épaisse voilette. Et vous ne l'avez jamais vu sans voilette? Non, en fait, je vivais plus avec son merveilleux parfum qu'avec son visage. Je pouvais toujours imaginer très beau. Oui, bien sûr. Et les jours qui suivaient sa visite, j'échappais souvent aux récréations pour me faufiler dans le parloir, quand il était vide, naturellement. Et là, j'aspirais religieusement cet air qu'elle avait elle-même respiré. Embaumé. Alors ce parfum, le plus délicat, le plus subtil, le plus naturel du monde. Et certainement aussi le plus doux. Vous êtes le mot passant de la presse à gros tirage, mon petit vieux. Mais je comprends votre sentimentalité. Après autant d'années, je pensais plus retrouver ce parfum de la mort noire. Et alors? Non. Et il y a eu la réception à l'Élysée, vous vous souvenez? Juste avant le crime du Glandier, bien sûr que je me souviens. C'est ce jour-là que vous avez rencontré Mathilde Stangerson et son père. Tout juste. Mm-hmm. Et vous n'avez jamais su pourquoi la dame en noir n'était plus revenue vous voir au collège? Mais qui vous a dit ça? Ben voilà une idée. Je suis absolument sûr qu'elle est revenue. Eh ben, c'est moi qui étais parti. Ah bon? Quelqu'un était venu vous rechercher? Mais personne. Ah? Je m'étais sauvé. Évidemment. Sauvé pour courir à sortir? Non, pas du tout. Pour la fuir, Sinclair. Mais elle est revenue. Je suis sûr qu'elle est revenue. Mais après tout ce que vous m'avez dit, elle a dû être désespérée de ne plus vous trouver là. Ah, je donnerai ma vie, Sinclair, vous entendez, je donnerai ma vie pour savoir. Je suis venu ici pour retrouver une fois encore le parloir.
Voilà, nous y sommes, Sinclair. J'ai une main brûlante. Mais je vous ai déjà dit, mon petit Joseph, que vous étiez en train de vous rendre malade. Non, j'avais toujours les mains brûlantes quand je savais qu'elle m'attendait ici. Tout d'abord parce que j'avais semé le vieux persimmon en courant. Ensuite parce que mon cœur me faisait très mal. Bah allez, racontez. Dès que j'avais ouvert la porte, elle me tendait les bras. Ah là 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 là. Je lui sautais au cou. Et nous embrassions très fort en pleurant. Je pourrais jamais expliquer pourquoi, mais c'était comme ça. C'était très bon. C'était ma mère, Sinclair. Je suis certain que la femme en noir était ma mère. Mais comment vous pouvez affirmer une chose pareille? Non, je sais pas. C'est pas elle qui me l'a dit. D'ailleurs, ce serait plutôt le contraire. Elle me disait que ma mère était morte. Elle était une de ses grandes amies. Et vous pensez qu'elle ne disait pas la vérité? Enfin, quel intérêt avait-elle à vous cacher quelque chose? Je sais pas, mais elle me priait quand même de l'appeler maman. Et elle pleurait quand je l'embrassais. Je sens que c'était ma mère. Tenez. Elle s'asseyait là, dans ce coin sombre. Et ses visites avaient toujours lieu à la tombée de la nuit, quand il commençait à faire moins clair. Par mesure d'économie, le parloir n'était pas encore allumé, bien sûr. Alors voilà pourquoi je ne pouvais pas voir vraiment son visage. Alors, finalement, elle déposait un gros paquet blanc avec de la ficelle rose sur le bord de cette fenêtre. C'était une brioche. J'adore les brioches, ça clair. Joseph. Mon petit Joseph. Les souvenirs sont tenaces, mon ami. Excusez-moi, je conduis comme un enfant. Mais c'est pas sur moi que je pleure, c'est simplement... Simplement, il m'arrive à moi aussi d'être malheureux, quoi. Vous n'avez pas besoin de me le dire, nous nous connaissons depuis suffisamment longtemps. C'est pourquoi j'ai pas honte de mes larmes devant vous. Voilà. Maintenant, je peux lire la lettre que vous m'avez remise de la part de Mathilde. Lettre de Mathilde Darzac. Et alors? Et vous êtes tout pâle. Vous n'allez pas vous trouver mal, mon vieux, répondez. Non, c'est rien. Non, c'est rien, c'est pas assez, seulement... Je suis fatigué, très fatigué. Bon, ben voilà, c'est bien. Non, plus rien à faire ici. Venez, Sinclair, allez. Venez, vraiment, j'en peux plus. Nous allons aller boire un montant. Hein? Je vous dirai, je vous expliquerai tout. Mais mon vieux... Il nous reste un tout petit peu de temps avant le départ du train. Bon. Eh ben, deux doubles calvas. On risque plus grand-chose de la part des microbes. Bon, Joseph, reprenons cette histoire insensée. On vous accusait de vol. Eh oui, Sinclair, oui. Et j'avais 9 ans. Et dans quelles circonstances? Oh, très simple. On avait volé une certaine somme d'argent au surveillant général. À l'époque, j'avais déjà l'esprit éveillé et un goût nettement prononcé pour les enquêtes. Et oui, le besoin de retrouver le fil des choses par leur évolution logique. Je retrouve bien... Alors j'ai cherché. Et vous avez trouvé? Eh oui, j'ai retrouvé l'argent dans une cachette sous le préau. Vous savez ce préau que nous avons vu tout à l'heure? Et quand j'ai rapporté l'argent, oh innocence, personne n'a voulu croire que je l'avais retrouvé et que je le rapportais. Oh. Bah oui, il était plus simple de penser que j'étais le voleur et ils ont essayé de me faire avouer. Et voyez-vous, ça c'est grave de faire ça à un enfant de 9 ans. Parce que ou il s'en moque, ou il est désespéré. Et vous, vous étiez désespéré. Mais comment? Je ne suis pas arrivé à les persuader de mon innocence. Déduction logique des imbéciles, il était anormal que j'aie retrouvé l'argent si ce n'était pas moi qui l'avais pris. Alors, dans ces conditions, il n'était pas possible de me défendre. Ben, vos camarades? Oh, ça, ils sont braves en groupe. Pris un par un, ils sont d'une lâcheté effarante. Comme la plupart des hommes, d'ailleurs.
pourquoi il passe de l'adolescence à l'âge adulte sans trop se poser de problèmes. Je connais qu'une exception, l'état de crise. Bref, j'étais un enfant dont personne ne savait rien, dont on ne connaissait pas les parents. J'étais suspect, quoi. Mais c'est honteux. Mais oui, c'est pourtant comme ça. On ne connaissait que cette dame en noir qui se faisait appeler Madame Darbel et qui se disait une amie de ma mère. Eh ben, mon cher, 3 jours plus tard, le collège entier m'appelait le voleur et elle m'était en quarantaine, eh oui. Alors, à quelques temps de là, le principal du collège me fait appeler dans son bureau et là, il me dit que si je n'avouais pas ma faute, il écrirait à cette amie de ma mère pour lui demander de venir me prendre car je serais renvoyé du collège. Quel homme charmant. Et alors? Ben, vous vous rendez compte, passer pour un voleur aux yeux de la dame en noir, c'est plutôt mourir. Oh, bah quand même. Ah, je ne plaisante pas, Sinclair. La nuit suivante, après avoir dit au principal ce que je pensais sur sa façon de démasquer les voleurs, je me sauvais et je me jetais stupidement dans le canal. Oh non. Ben, c'est... Pas vous. Ben, si, mais malheureusement, j'ai oublié que je savais nager. Ajoutez que l'eau était froide, que l'instinct de conservation est très vivace chez un enfant de 9 ans. Je suis donc sorti du canal ruisselant, gelé et mortifié. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Oh, à cet âge-là, les situations d'avenir sont très rares. Je me suis séché et je me suis arrangé pour quitter la région. Et à l'inverse de tous les fuyards, je dormais la nuit et je marchais le jour. Et ça, ça vous a amené... Bah, tout d'abord à faire de mes vêtements des guenilles. Bien non. Ben oui, ce qui me permit de tendre la main au passant, affirmant sur le ton le plus désespéré que si je rentrais pas chez moi avec de l'argent, je serais battu par mes parents. Alors, grâce à cet artifice dont l'honnêteté est douteuse, d'accord, je mangeais quand même tous les jours. Il m'est arrivé également de cueillir et de vendre des fraises des bois dans des petits paniers de feuillage. Vous voyez? Eh oui, on devient ingénieux quand on a faim. Oui, mais ça c'est... Vous alliez où? Je m'étais fixé Marseille. Et je ne saurais d'ailleurs jamais pourquoi. Bref, je suivis une troupe de bohémiens qui se rendaient au Sainte-Marie-de-la-Mer. Mm-hmm. Ils ne firent pas trop de difficultés pour me garder. Et, enfin, disons que je sus me rendre utile. Et bientôt, ce fut Arles et enfin Marseille. Chut. Eh oui. Quelle randonnée. Marseille, le paradis. Presque toujours l'été. Et le port. Une mine d'or, mon ami. Vous n'étiez pas un petit peu jeune pour décharger les bateaux? Mais vous plaisantez, j'étais pêcheur d'oranges. Ah ben ça, c'est un métier que je ne connaissais pas. Il entrait dans le port des bateaux incroyables, venant des Baléares, et regorgeant d'oranges. Je m'empressais de recueillir toutes celles qui tombaient à l'eau. Mmh. Alors j'étais nourri et je vendais le reste. C'est d'ailleurs en pêchant des oranges que je donnais une idée d'article à un journaliste qui m'avait remarqué. L'article étant paru, 2 jours plus tard, l'homme vint vers moi me donner une superbe pièce de 100 sous. Le début de la fortune. Oui, une possibilité d'investissement. J'achetais une boîte de cireur, vous l'auriez vu, avec tout le nécessaire. Et alors je m'installais en face de Brégaillon. Je ne vous dirai pas le nombre de pieds qui me sont passés entre les mains pendant 2 ans. J'utilisais tout mon temps libre à lire, à dévorer des journaux, des livres, etc. Puis un jour, un armateur finit par me trouver sympa. Et il m'engagea comme groom dans ses bureaux. Je devins rond de cuir, quoi. Et grâce à mes économies, à 18 ans, je vins à Paris. Alors moi, en toute innocence, j'allais me présenter au journaliste qui avait écrit « Le pêcheur d'orange hein ». Oui, il était toujours en place? Eh oui. Il me reconnut. Et comme je lui disais que je voulais être journaliste, il éclata de rire. Et déclara à mon petit ami, puisque vous voulez noircir du papier avec le sensationnel, tâchez donc de retrouver le pied gauche de la rue Oberkampf. Ah, je me souviens très bien de cette affaire. C'était la femme coupée en morceaux. Oui, et dont le pied gauche restait introuvable. De fait, la police piétinait, enfin j'allais dire comme d'habitude. Et le journal L'Époque offrait une récompense à celui qui réussirait à faire la lumière sur l'affaire. J'avais très peu d'argent devant moi, il fallait faire vite, alors j'ai réfléchi, j'ai cherché, et j'ai retrouvé le pied manquant. Et depuis 6 ans, je suis reporter à L'Époque. Grâce un peu à ce journaliste, je dois dire, auquel je suis resté très reconnaissant. Voilà. La suite, vous la connaissez. Et la dame en noir ne vous a jamais fait rechercher? Elle n'a jamais tenté de savoir ce que vous étiez devenu? Bah, pour tout le monde, j'étais mort noyé. Figurez-vous qu'on a retrouvé mon béret dans le canal. Mmh. Et ainsi mourut Joseph Joséphin, le petit voleur du collège 2. Enfin, vous, Joseph, sachant presque la vérité, vous n'avez pas, de votre côté, tout fait pour retrouver la dame en noir? Oh, alors qu'on lui avait dit que j'étais un voleur, mais vous vous rendez compte, Sinclair, j'aurais jamais pu la regarder en face. Oh, voilà une histoire. Au fait, après notre visite éclair au collège, vous l'avez retrouvé, son fameux parfum? Ah, oui. Oh, oui, je l'ai retrouvé.
Moi, c'est pas vrai, c'est une plaisanterie. Non, pas le moins du monde. Alors, c'est celui de la lettre que vous m'avez remise. Quoi? La lettre de Mathilde? Non. Mathilde serait... Oui, Sinclair. Je vais vous confier un grand secret. Il n'y a qu'à vous que je puisse le faire, d'ailleurs. Il s'agit du secret de ma vie, vous entendez? Peut-être un jour, il deviendra le secret de ma mort, d'ailleurs. Bon, dites-vous, c'est que vous êtes inquiétant, vous. Comme je suis sûr de votre silence et de votre amitié, ce secret mourra avec vous et avec moi. Mais c'est si grave que ça, Joseph. Sinclair, Mathilde Stangerson a eu un enfant, un fils. Et ce fils est mort. Vous entendez bien, pour tout le monde, ce fils est mort. Excepté pour vous et pour moi. Vous avez compris? Tchut, Joseph. Mon ami Rouletabille, le fils de Mathilde. Oh. Bon, bien sûr, pas un mot ne sortira de ma bouche, ça vous pouvez en être certain. Mais dites-donc, si vous êtes le fils de Mathilde, vous êtes nécessairement le fils de Larsan. Eh oui. Maintenant, j'ai plus rien à vous apprendre. Oh. Alors ça, mon vieux, je suis anéanti, bouleversé, stupide, ça c'est... Je sais pas quoi dire, que faire. Oh, ben, terminez votre calvaire, hein, Dieu. Oh. Il va être l'heure d'aller prendre le train. Et Mathilde et Robert Darzac ont besoin de nous. Du Nord, terminus. Tout le monde descend. Paris, gare du Nord, terminus. Tout le monde descend. Bien, mon bon Sinclair, j'ai juste le temps de passer à mon hôtel et de filer à la gare de Lyon. Je voudrais ramasser mon courrier, laisser des instructions et faire un bagage un peu plus important. Oui, bah, j'avoue que j'aimerais passer également chez moi, d'autant qu'avec vous, on sait toujours quand on s'en va, mais on sait rarement quand on rentre. C'est bien votre avis. Attends, écoutez, je dois reconnaître que je suis incapable de vous dire quand se terminera notre congé. Bon, le Paris Vintimille quitte la capitale à 21h20. Voulez-vous que nous nous retrouvions sur le quai à 21h? J'y serai. Clara, vous êtes là. Oh, monsieur qui est de retour. Oh, je suis bien contente. Eh ben, c'est très gentil, mais vous garderez vos effusions pour un peu plus tard. Monsieur repart? Ah oui, tout juste. Alors, vous me faites au trot une valise pour 2 semaines. Chemise, tenue claire, mon smoking, quelques cravates, mes foulards de soie, vous ajoutez, quelques lainages. Enfin, bref, une vraie valise, quoi. Allez, filez, mon petit. Bien, monsieur. Le courrier est sur le plateau. Bien. Merci, Clara. Le courrier, des factures, les journaux, la lettre du bâtonnier, je reconnais son écriture, oui, bon, ça, alors... Allô? Allô, mademoiselle? Mais donnez-moi Passy 3229. Comment qui suis? Je suis Kléber 1612. Mais j'attends. Non, Clara, le pantalon de flamel, hein? Merci. Oui, allô? Ah, maîtresse. Bonjour André, c'est Sinclair à l'appareil. Dites-moi, pour des raisons qui seraient trop longues de vous expliquer, je file pour Menton avec Rouletabille. Est-ce que ça vous ennuie de voir avec mon secrétariat les deux affaires que j'ai en cours, de présenter mes devoirs à Maître Recou et puis aussi d'inventer une histoire pour justifier mon absence? Voilà. Ah, j'oubliais André, rendez-moi également l'inestimable service de faire surveiller les faits et gestes du dénommé Brignol. Hein? Eh ben pour l'instant, j'en sais rien, mais votre note de frais ne sera pas discutée. Voilà. André, vous êtes une perle. À charge d'en vendre, bien sûr. Merci. Au revoir. Clara. Oui, monsieur.
Ma valise est bouclée? C'est ce que j'ai fait, monsieur. Eh bien, je file, mon petit bonhomme. Monsieur, oui. Pour le courrier. Ah ben, écoutez, je vous écris dans 3 jours pour vous communiquer mon adresse. Tout ce qui concerne le cabinet, vous faites suivre chez maître André S. Vous trouverez l'adresse dans mon agenda de bureau. Clara, je vous laisse la maison. Merci, monsieur. Monsieur part en vacances. Oh. Mon cher petit, compte tenu des circonstances, je ne suis pas certain qu'il s'agisse bien du terme qui convient. Cela dit, je me ferai une joie de revenir dans quelques temps. Enfin, si je peux. Voilà, Lise, c'est parti. Il est de plus en plus bizarre. Fin 21h tapant, bravo Sinclair. Ah, je vais vous dire, une exactitude pareille, ça me bouleverse. Bon, alors, rien de neuf? J'ai pris des billets. Eh ben, une fois n'est pas coutume. À l'hôtel, il y avait une dépêche. Encore? Oui, lisez. En provenance de Valence, tout juste. Tout juste. Tous les marchands, notre wagon-lit est en tête. Ouais. Eh ben, voyons, cette fois... Ah, ben, c'est le professeur qui vous écrit. Cher ami, mon gendre m'apprend que vous avez quelques jours de congé. Nous serions tous si heureux de pouvoir vous compter parmi nous. Sir Arthur Rance a acheté une magnifique propriété à Menton et souhaite vivement pouvoir vous présenter sa femme. Gentil. Ma fille serait également très heureuse de vous voir et joint ses instances aux miennes. Maître Sinclair serait évidemment le bienvenu. Ah, nous comptons sur vous, amitié Stangerson. Oui, bah, il n'y a vraiment rien d'inattendu dans ce message. Voilà notre compartiment, Menton. Mm-hmm. Vous avez vos billets, messieurs? Les voici. Tenez, voiture 24, wagon lit 40, 42. C'est bien ici. Suivez-moi. Allez-y. Voilà, messieurs, vous êtes chez vous. Les lits sont faits. Merci. Soyez gentil, vous nous apporterez une bouteille d'eau minérale. Après le départ du train, comptez sur moi. Très bien. Voilà. Seulement Sinclair, il y a autre chose. Ah bon? Toujours des cachotteries? En quittant mon hôtel, il est arrivé une deuxième dépêche. Elle vient de Menton. Le professeur? Non, Madame Darzac. Je me demande d'en prendre également connaissance. Au secours, Mathilde. Oh non! Vous avez parfaitement bien lu « Au secours » signé Mathilde. Je commence à être inquiet, moi. Je me demande si nous n'arriverons pas trop tard. Mon cher Sinclair, je crains le pire. Et vous? Moi aussi, bien sûr. Bon, ben écoutez, installons-nous. J'ai fumé une pipe en réfléchissant. De toute façon, on ne peut rien faire d'autre avant d'être arrivé, hein? Joseph. Joseph, vous dormez? À point fermé. Oh, je suis mal, hein. Non, essayez de vous reposer, mon vieux. Demain, il faudra être frais et dispo. Les voyageurs pour Mâcon, Lyon, Marseille, Nice, Menton, Ventimille, montent dans le train. Attention à la fermeture. En voiture, s'il vous plaît. Thank you.
Macron, 4 minutes à l'arrêt. Joseph. Joseph, vous dormez ? Comme un sourd. Oh, écoutez, votre attitude est extrêmement déplaisante. Est-ce qu'on peut savoir à quoi vous occupez cette longue veille dans la pénombre ? Ça vous étonne si je vous dis que je réfléchis ? Oh, pas du tout, c'est votre seconde nature. Alors allez-y, de quoi s'agit-il ? Eh bien, de cette première dépêche qui venait de Bourg et qui était signée Darzac. Et par voie de conséquence, à la deuxième dépêche envoyée par le professeur Stangerson et qui provient de Valence. Mais j'y ai pensé aussi. Car en principe, à Bourg, les Darzac n'étaient plus avec le professeur Stangerson. Ils ne voyageaient ensemble que jusqu'à Dijon. Du reste, la dépêche de Robert Darzac est claire. Hein? Nous allons rejoindre le professeur Stangerson. Or, la dépêche du professeur transmise à Valence prouve qu'à ce moment-là, ils étaient à nouveau tous les trois ensemble sur la ligne de Marseille. Donc, le professeur s'est arrêté en route. Et c'est pas son genre. Pour quelle raison ? Non, souvenez-vous, sur le quai de la gare de Lyon, au départ... Il disait, je serai à Menton demain matin avant 11h. Oui. Prévoyez donc pas de s'arrêter en route. C'est bien ce qui me chiffonne, Saint-Clair. Voudriez-vous allumer le plafonnier, s'il vous plaît ?